La participation citoyenne à Biarritz, un nouveau dispositif. La volonté du maire et de l'équipe municipale est de redynamiser la pratique de la participation citoyenne à Biarritz. Pour ce faire, un nouveau dispositif a été élaboré collectivement et confié au conseiller municipal délégué à la participation citoyenne. Sa mise en œuvre a été votée lors du conseil municipal du 20 décembre 2017. Ce nouveau dispositif s'appuie sur 4 axes. La création de 3 conseils participatifs, les commissions thématiques, la plateforme internet et le budget participatif. La création de 3 conseils participatifs. La ville est partagée en 3 territoires, Biarritz Nord, Biarritz Sud et Biarritz Est. Dans chaque territoire, un conseil participatif est institué. Tous les habitants y siègent de droit lors d'assemblées plénières, mais c'est un bureau qui fait fonctionner le conseil, avec 10 habitants volontaires et 10 habitants tirés au sort parmi les listes électorales. Les membres du bureau choisiront leur animatrice ou animateur parmi eux et un élu référent viendra les soutenir et insuffler une dynamique d'action. Les actions du conseil sont de repérer et d'identifier les problématiques du secteur et d'émettre toute proposition susceptible d'améliorer la vie locale. La mise en œuvre d'outils technologiques modernes. Une plateforme de communication informatique citoyenne permettant un dialogue direct et rapide avec les élus et les services municipaux a été mise en place. À l'avenir, elle permettra également de consulter ponctuellement la population sur des sujets d'intérêt général. Le développement de ce type d'outils technologiques sera favorisé par la municipalité. La création de commissions thématiques. À l'initiative du maire, des élus ou suite à la demande de citoyens, des commissions thématiques seront créées. Elles seront composées pour moitié de citoyens et pour moitié d'élus et d'experts. Elles travailleront sur des problématiques qui concernent l'ensemble de la ville et élaboreront des propositions à soumettre au conseil municipal. La durée de vie de ces commissions sera limitée dans le temps à 6 mois. À l'issue de cette période, les conclusions de ces commissions, quelles qu'elles soient, seront transmises à Monsieur le maire. La création d'un budget d'investissement participatif. Un budget spécifique sera voté annuellement par le conseil municipal. Il sera destiné à financer des projets d'intérêt général en matière d'investissement initiés par des biarrots, des associations, des écoles. Un jury mixte, experts techniques, habitants, élus, sélectionnera ces projets en fonction de leur faisabilité technique et financière. Ces projets seront ensuite soumis au vote de l'ensemble des biarrots. Ceux ayant recueilli le plus de suffrages seront mis en œuvre dans l'ordre préférentiel jusqu'à extinction de la ligne budgétaire annuelle. Biarritz a besoin de vous.